Bonjour, je suis absente pour le moment. Veuillez me laisser un message après le bip. Tu sais, je connais une femme qui continue à acheter des puzzles chinois, des casse-têtes avec des poulies, des fils, qui finalement s'ajustent dans un ordre prévisible. Elle y parvient mathématiquement et elle résout tous ses puzzles. Elle vit près de la mer. Elle donne du sucre aux fourmis et croit en dernière instance en un monde meilleur. Ses cheveux sont blancs. Elle les peigne rarement. Ses dents sont gâtées et elle porte des choses informes qui couvrent un corps que beaucoup de femmes auraient bien voulu avoir. Durant de nombreuses années, elle m'a irrité avec ce que je considérais être des excentricités, comme tremper des coquilles d'œufs dans l'eau pour donner du calcium aux plantes. Mais finalement, quand je pense à sa vie et que je la compare à d'autres vies plus éblouissantes, plus originales et plus belles, je réalise qu'elle a blessé moins de gens que n'importe qui de ma connaissance. Et par blessé, je veux simplement dire blessé. Elle a traversé des périodes terribles où j'aurais peut-être dû l'aider beaucoup plus. Car elle est la mère de mon seul enfant. Et jadis, nous avons été très amoureux l'un de l'autre. Mais elle a passé à travers toute seule, comme je l'ai dit. Elle a blessé moins de gens que n'importe qui de ma connaissance. Et si vous prenez ça en considération, eh bien, elle a créé un monde meilleur. Elle a gagné. Française, ce poème est pour toi. Te parle du malheur. Le Alain dit sur ce thème. Le double dit comme on aime. Le double d'abredi voudrait simplement bien te dire le malheur, le bonheur. Mais ça nous fait pas.
peur. Je le répète, mais simplement le hasard.